verrez du lapin. Où il mène, on n'en sait rien. Les uns passent à chaque coin. Est-ce qu'on en verra la fin? Bonjour le petit lapin, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle partie de chasse. Si vous avez bien suivi la vidéo précédente, l'objectif c'était de prendre en photo un daim. Donc pas réussi. Donc là ici, pour cette partie là, on va essayer de trouver un daim et le prendre en photo. Ensuite ça peut bien marcher. Donc là il y a eu des cris là, donc là il y a un cri de renard. Mais moi les renards je suis pas très fan. Jamais. Et pour qui pourquoi j'ai retrouvé des traces. Un bison d'Europe. Alors comme quoi le jeu il est quand même bourré de bugs. Je le dirai toujours. Je sais pas, je le dirai tout le temps. Ce jeu est bourré de bugs. Un coup on a les empreintes, un coup on les a pas. Que le bison il est à gauche hein. J'ai bien remarqué, mais comme il y avait un cri là sur la droite, regardez si c'est de faire les deux en même temps et surtout bien entendu prendre en photo hein. Il faut pas oublier qu'il y a les objectifs en même temps, ça peut être sympa. Mais il est en face. Il est juste en face de nous là. Ça m'étonne. Je l'ai un peu trop vite. Faut que j'essaye de... On a blessé le chevreuil, on va quand même... On va finir le boulot comme je dis. Ah, attendez, là, les traces. Voilà. Saignement très faible. Oh bah ça peut durer un peu. Ah, enfin. Pas mal de traces par ici là.
Et vous croyez que c'est le même ou pas? Il a fait le tour. Donc là dans le jeu il est 9h10 et vous voyez que le matin à 9h10 il y a pas mal de mouvements quand même. J'aimerais savoir si lui il a fait le tour. Et il est beau. Je pense qu'il a bougé. Salut, mon. Chevreuil, renard. Ah, y a tout là. Hein. Il est tranquille, peinard. C'est beau, hein, n'empêche. Vous comprenez pourquoi le renard c'est très compliqué là, ouais, quasiment pas, voilà. Très compliqué d'avoir un renard. Là normalement je vois il va repartir par là, je pense. Il passe derrière la pierre ou s'il passe carrément derrière les rochers.
Moi j'aimerais bien essayer de tuer le cerf là quoi. Voilà, voir ce que c'est. Chevreuil. Oui, chevreuil, pardon, c'est ce que j'ai dit. Là il est par là. Là à mon avis il est en train de revenir. Mais il est en face. On va attendre qu'il se rapproche tout doucement. Il est pas très loin, je sais pas si vous l'entendez. Dans le cou, donc comme toujours la balle dans le cou est mortelle. Donc une femelle de 28 kilos, tac 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 tac, trophée, ok, on a gagné 171 et je l'ai abattu à une distance de 28 mètres. Alors déjà et j'allais voir qu'aujourd'hui on va avoir aucun daim. Pas pourquoi, mais. Oh bah si, il est mort. Il est mort là. J'avais. Ah oui, d'accord. Dans le bassin. Ah, c'était aussi une femelle de 23,5 kg. A gagné 576. Voilà. On l'a tiré à 38 mètres. Bon, du coup, on est arrivé. Ouf. On est arrivé. Quand on est dans les parages. Oh, il pleut. J'ai vraiment pas de bol. Mais je trouve qu'il pleut tout le temps. C'est vrai. Voilà, tranquille. Bon, j'espère que ça vous plaît toujours. Bon, je le ferai pas, vous me laissez pas de commentaires. Comment voulez-vous que je le sache? M.
Allez, on va faire un petit bison, tiens. Ouais, les fustes. Hein. Alors, comme toujours, je crois pas leur dire, quand vous voyez plusieurs traces, si vous avez les traces bleues, vous suivez toujours les traces bleues. Si vous voulez suivre la même bête. Du coup, ça va vous donner une longue distance de pistage de la bête. Si jamais vous faites le bleu là, en train de suivre le bison, et si vous voyez un blanc et vous cliquez sur celui-là, vous allez perdre en fait votre distance de pistage. Il faut toujours rester sur le même. Ça se trouve, c'est exactement la même bête, hein, c'est juste que la continuité, mais je pense pas que ce soit la même bête. Et ça, c'est les, ouais, ça, c'est le bison. Ça a l'air d'être les mêmes empreintes. Enfin, c'est la même, enfin, c'est pas la même bête en soi, mais c'est le même. C'est un bison, quoi. Compris. Très ancien. Donc là, on a le temps. Très loin devant nous. À mon avis, ils sont deux, par exemple, ça trouve. Oh. Là, on peut y aller, je crois. Franchement, j'ai pas envie de faire du renard. Ça m'a traumatisé. Si vous avez suivi les débuts, ça m'a traumatisé. Non, mais. Hein. Un petit peu loin au cas où on s'est dégagé. Alors les bisons en groupe, ça se déplace assez lentement, donc on devrait pas mettre longtemps à les rattraper. Par contre, quand ça part, ça part. Là, ils sont. Alors l'inconvénient, alors je sais pas si je vais arriver à me faire comprendre, l'inconvénient quand il y a un troupeau, donc là je suis, on va dire, une seule bête, même trace de pas, pour une seule bête, et quand ils sont en troupeau, quand vous arrivez au niveau du troupeau, vous savez pas si vous allez tuer la bête que vous avez suivie depuis tout à l'heure. Du coup, c'est un long pistage, mais en fait quand t'arrivez au niveau de la bête, bah c'est peut-être pas forcément le bon que vous avez suivi en fait. Que vous la bête que vous tuez, c'est pas forcément le bon que vous avez suivi depuis le début. Un petit peu rageant.
Ils sont, à mon avis, ils sont très nombreux là. Bon, il nous reste une dizaine de minutes de chasse. Vous pouvez finir. Avec un bison, ce serait pas mal. Alors, par contre, les bisons, c'est très, très, très dur à tuer. Enfin, très dur. Vu la masse corporelle qu'ils ont, et multi. Ça, c'est. Ils sont bons n'empêche hein, de perdu mes traces là. Va essayer de courir un petit peu. Voilà. Sympa le petit bug, la petite crotte en l'air. Magnifique. Ancienne, ça veut dire qu'ils sont vraiment loin. Très très loin et j'ai perdu. J'allais dire que j'ai perdu mes deux. Ce qui est génial, c'est que le décor, c'est jamais le même décor. Et ça, je. Énorme. Vachement. Rien. Alors on va pas suivre le chevreuil parce que si je tire ça va éliminer encore plus les bisons. Pas forcément mon objectif. Le chevreuil, on va le laisser quoi. Et j'ose pas regarder la carte là où on est parti en fait. Je sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va. Ancienne. Déjà, c'est moins très ancienne. Mais non, on peut y aller alors. On va y aller. On va faire ça tout en courant. Pas essoufflé, mais bon.
Oh, moi j'ai contournant. Ah. Mal écrit. Ça va commencer à venir bon. Ah bah. J'ai plus mes petites traces bleues. Galop. Oui, pas de titre. Regarde. Oh, lui il a bugué. On peut tirer dessus. Par contre j'ai perdu mes traces bleues. J'ai perdu les traces bleues. Là, je le vois dans le dossier. Bah, je pensais pas que c'était si long que ça de suivre un des bisons d'Europe là. Ouais. J'ai l'impression de les suivre depuis je sais pas combien de temps là. Alors, soit j'y vais trop comme un bourrin. Hop, allez, on va
contre, c'est au galop. Hein. Ah, il pleut. Oh bah, et donc, si c'est comme ça à chaque fois, on peut prendre les tuer. Là, en fait, ça me saoule en fait. Parce qu'il y a une manière qu'on les pourchasse là. Là, avec la pluie, ça me fait bien les arrêts. J'aurais jamais dit sous les bisons. Oh mais ils font que ça de courir en fait. C'est vrai. Ils font que ça en fait. Alors je disais que ça se déplaçait pas forcément vite, mais si. Regardez, j'arrive pas à me rapprocher d'eux. Bon, voulez-vous qu'on y arrive?
Et si je marche, je vais pas les rattraper. Si je cours, ça fait trop de bruit. Ouais, voilà comment je clique là. On ne peut pas s'approcher, ce n'est pas possible. Et comment bon. Oui. Pourquoi il s'éloigne? Pas un fusil, pas une carabine qui me permet de tirer comme une mèche. Regardez, ils font que ça en fait. J'ai même pas touché. Ah si, j'en ai touché. Blessure légère. Voilà. Oh là, j'ai sursauté sur ma chaise. Bon. Non mais je lui ai mis combien de balles là? C'est là. Pas mortel, il va pas aller loin. Oh, on devrait pas tarder à s'approcher. Oh, taisez-vous. J'aime pas les renards. Et alors. Et ben voilà. On aura mis du temps parce que j'ai largement dépassé la demi-heure. Je crois qu'on a fait presque une heure en fait. Ouf. J'ai pris 6 balles. J'ai pris. Ah, c'est une bonne. Donc un mal de 515 kilos. Distance de pistage. Alors, vous voyez, 3 km. On a fait presque 4 km. C'est de trophée les corps. Voilà.
Je suis un dingue, je suis un fou moi. Trop malade. On va laisser faire 4 km les becs. Et voir. À travers. Qu'on a pas encore, enfin j'ai pas encore le, j'ai pas encore les fusils, fusils ou carabines adéquates pour ces, pour ces bêtes. Là oui, proche de. Lâche pas la ferme. Même blessé dans ton chien. Dingue. Je ne sais pas combien de balles je vais leur mettre. Je pense qu'elle l'a même pas touché, on a pas de temps par terre. Là je cherche même pas à aller prendre, à prendre du recul, enfin prendre mon temps. Tellement c'est compliqué que je... C'est les... Ouais ouais. Bon mes petits lapins, je crois qu'on va s'arrêter là hein. On va pas, je crois qu'on va s'arrêter là. Bah, vous saurez que les bisons c'est très compliqué. Qu'on les a pas facilement. Enfin, ça donne un peu de piment, c'est pas plus mal. Et je pense que je dois pas avoir le fusil adéquat à mon avis. Comme les bisons, c'est quand même des bestiaux assez imposants quand même. Et je pense qu'il faut... Déjà, faut pas faire comme moi et voilà, depuis tout à l'heure, je les cours après eux. Je suis trop bourrin, c'est même pas la peine. Et je pense qu'il faut avoir un fusil à peu près adéquat.
il avait plus de balles. Voilà, il faut bien penser à recharger son fusil aussi. Ne pas faire comme moi. Il y a un cochon. Bon, vous avez vu, j'ai mis 2 ou 3 balles. Donc, bah, sur ces belles images du cochon, je vous souhaite une bonne continuation, hein, faites une bonne chasse. Surtout, bah, je vous souhaite bon courage contre les bisons. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser des commentaires positifs ou négatifs, à mettre un petit pouce vers le haut, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao 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 ciao. Je reprends la vidéo. En fait, juste après que je vous dis ciao 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 ciao, et ben sur l'île, voilà ce que j'ai retrouvé. Un qui est mort. On va pas l'abandonner. Oui, c'est pris de balles. Voilà mes petits lapins, je vous souhaite une bonne continuation. Allez, ciao.